Mes amis, l'heure est grave. Derrière cette porte se trouve un ennemi si fort que nul n'ose l'affronter. Il a été la mort de nombreuses parties. Les gens détestent ce boss. Et nous allons devoir le vaincre. Bonjour tout le monde. Ici GA2. Et je retrouve un nouvel épisode de Let's Play Baden Gaitos. Dans le présent épisode, nous avons réussi à infiltrer le Goldoba et on a pillé les lieux. Et nous avons réussi à ouvrir la porte du pont où se trouve Geldoblame. Et on va essayer de lui trucider la face pour empêcher qu'il n'invoque un dieu maudit pour détruire le monde, même si je crois qu'il faut juste le conquérir, mais avec les dieux maudits, on ne sait jamais. Ah oui, je sais, merci, au revoir. Nous avons donc les heureux vainqueurs. J'ai choisi Gibari, Kalas et Lude. En toute honnêteté, vous pouvez prendre presque n'importe qui. Je déconseille de prendre Xela et Mizuti comme d'habitude. Mais Savina, Xela et Mizuti, tous les trois ont un intérêt quelconque dans ce combat. Je veux dire, Savina, je préfère Lude à Savina pour ce combat, pour une raison que vous allez très vite comprendre. Xela peut être très puissante. Mais disons que j'ai choisi Gibari et Kalas parce qu'ils peuvent se défendre avec leurs armes, ce qui leur permet d'être beaucoup plus résilients. Ce sont aussi ceux qui ont parmi le plus gros PV de mon équipe, surtout Gibari. Et Lude parce qu'il tape lumière qui est un excellent élément pour ce combat. C'est à peu près tout. En termes de pioche, je leur ai retiré tout ce qui est lié aux ténèbres. Je leur ai donné un peu plus d'armure que d'habitude, comme vous pouvez le constater. Surtout des armures de lumière et de... l'un ou l'autre, pas un peu plus d'objets de soins. Alors ça se voit peut-être pas le mieux avec Gibari, même s'il en a quand même quelques-uns. Il y en a surtout ça, ouais. Quoique, attendez, j'ai pas mieux que ça en objet de soins. Une orange déjà, mais c'est pas ça que je pensais. Il me semblait que j'avais du riz cuit quelque part. Ça, c'est de la pâte de riz, c'est nul. Si je trouve une autre pâte de riz, c'est que je peux oublier mon idée, mais... Où est le riz? Où est le riz? C'est un peu ennuyeux que vous ne puissiez pas classer par objet de soin, parce que, bah... Parfois, vous vous retrouvez à un peu regarder dans toute votre liste de Magnus en mode... Est-ce que je n'ai pas un soin quelque part de bien? Et vous cherchez dans toute la liste, parce que vous n'avez pas vraiment moyen de les trier par, dans cet ordre-là. J'aurais bien aimé avoir ce truc de riz. Et je crois pas qu'il s'était transformé en plus. Ça se trouve, je l'ai déjà raté 3 fois. Mais comme je vais vite, pour pas faire de temps, ben. C'est nul. Non, ça peut pas aller jusqu'aussi loin. Est-ce qu'il pourrait être sur un autre personnage, genre Mizuti? Non. Xela, non. Savina non plus, même si toi, j'avoue que t'aurais... Ouais, bof, peu importe. Ou alors, c'est que je l'avais mis déjà sur quelqu'un. Bon, on s'en fiche. Bref, donc je leur ai surtout donné des... Bah, il est là, le riz, ok, donc non, c'est bon. J'aurais donné plus d'objets de soins, un peu plus d'armure que d'habitude, et j'ai retiré toutes leurs armes liées aux ténèbres. Sauvegardez, assurez-vous toujours que ce soit sur un autre fichier que celui que vous aviez... que le dernier où vous aviez une fleur bleue. Et en avant. There's no one here. Damn! Where could that slob be hiding? I presume you're looking for the Emperor. Unfortunately for you, he's already left for the lava caves, where the fifth and final End Magnus is sealed. The other four are already in his possession. Giacomo! Oh, just... Well, at least we're still here to keep you company. I didn't think you had the guts to go to the heart of the Empire. Maybe we could call it bravery. No, stupidity is more like it. Stupidity seems to be one of your strong points. You said he has 4 End Magnus? So it was you who stole the Chet End Magnus! Maybe so.
Thanks for the warm welcome. We don't have time to play with you goons today. We're after the Emperor. No way! This is my chance! Today's payback time! Callus! Time's running out! Prepare to die, Giacomo! Can't slither out of this one! Not this time! You talk a good game, boy. It shows courage. I like that. Callus, I have a proposition. Would you like to join us? What? Whoa. What's got into you, Giacomo? Yeah, what the hell are you talking about? You two stay out of this. I've got an idea. What do you say, Callus? Join you? Why would I ever do that? You must be nuts. Is that it? Or a comedian? I'm dead serious. I have a plan. I need you in order to carry it out, Callus. Stop saying that! Why would I ever join you? You killed Gramps and Fee! You make me sick. Don't dwell on the past, or you'll miss out on what the future has to offer. You are the chosen one, Callus. The divine child. I don't know what you're talking about. My final answer is no, Giacomo. You're not getting away this time. You fool. So be it. I'll kill you, then use your corpse to learn the secret of the End Magnus. Don't be so confident. I've gotten stronger since we last met. I'll put an end to your childish ramblings. You're finished, boy. Prepare to meet your destiny. Inutile de vous poser plus de questions que ça. Voici le combat que nous n'attendions pas tant que ça avec pas tant d'impatience que ça. Giacomo, Amy et Folon, les trois ensemble. Soit en passant, on voulait prendre une photo d'Amy puisque les deux autres, je crois que les photos que vous avez prises dans leur précédent combat comptent. Enfin, je veux dire, si vous reprenez une photo ici, ce sera les mêmes que celles que vous avez déjà prises. Mais Amy, en revanche, première fois qu'on l'affronte. Parlons peu mais parlons bien. Ce combat est très simplement totalement en votre défaveur. Soyons rapides et simples. 3 contre 3, mais les 3 contre comme des boss individuels. Ils n'ont pas autant de vie que nos précédents boss, mais ça fait quand même un paquet d'attaques à encaisser. Dans l'ordre. Amy, 2400 PV, résistance à l'eau, comme vous pouvez le voir, aux ténèbres et au vent. 30% pour l'eau et les ténèbres, 50% de résistance au vent, mais vulnérabilité de 30% au feu, à la lumière et de 50% au temps. C'est le premier adversaire que je vise. J'arrive pas à faire la moindre combinaison sympa actuellement, tant pis. Pourquoi je la vise? Parce que 2400 PV, c'est pas énorme. Elle frappe aussi énormément et elle a une plutôt bonne vitesse. En général, je considère que c'est une... Certains conseillent d'attaquer Folon d'abord. Mais pour moi, ça fait pas une grande différence. L'important est d'en dégager l'un des deux. Et Amy est celle qui a la moins bonne def. Je sais pas nécessairement au niveau de la défense, mais en tout cas, c'est celle qui est la plus simple à faire tomber rapidement. Folon, 2700 PV. Il est un peu plus bourrin qu'avant parce qu'avec ça, son second finisher, il peut vous brûler. Et il dispose de 50% de vulnérabilité à l'eau, de 30% de vulnérabilité à la lumière, neutre sur le vent et le temps, et 30% de résistance aux ténèbres et au feu. Et 50% au feu, je veux dire. Giacomo, de son côté, frappe deux fois par tour.
Oh, merci Giacomo, soit dit en passant, parce que je commençais à me demander si j'allais pouvoir faire quoi que ce soit avec Kalas, vu ses... Merci pour la feuille et photo d'air. Non, bon, bref. Il attaque deux fois par tour, ce qui est déjà la première raison pour laquelle vous ne voulez absolument pas le viser d'abord. À 3800 PV, ce qui est plutôt beaucoup. 30% de résistance au feu et aux ténèbres, neutre au vent et au temps. 30% de faiblesse à l'eau et à la lumière. Si vous frappez Giacomo d'abord, il va commencer à vous sortir ses finishers et frapper plus fort. Ce qui est la raison principale pour laquelle vous ne voulez pas le taper. Ouais, bon, on va lâcher quelques armes quand même, mais bon. Colon de son côté. Voilà. Laser. World Laser, pardon. Frappe très fort et il peut booster son attaque gratuitement avant d'agir. C'est pour ça qu'il faut pas mal de soins. Bon, pour le moment, ça encaisse bien. 2, 3, 4. Mince, j'ai pas de 5. Tant pis, on va se contenter de ça. Les trois sont très dangereux. Et l'une des difficultés, c'est de décider comment vous allez leur les gérer. La plupart des gens, en général, dans leur premier combat, essayent d'attaquer Giacomo. C'est ce que j'avais fait lors de ma première partie. Et c'est le symbole d'une défaite irrémédiable, puisque une fois tombé, mettons, à moitié de ses PV, Giacomo va se mettre à frapper deux fois par tour, donc toujours, mais cette fois-ci à pleine puissance, ce qui va faire littéralement un 4v3. Et vous aurez peu de chances de tenir. Folon frappe très fort, mais en général, j'ai tendance à considérer que on peut encaisser ses coups. Et que comme il a un tout petit peu plus de PV que Emir... Honnêtement, pour moi, entre Emir et Folon, c'est la même chose. Certains préfèrent taper Folon parce qu'il il frappe plus fort. Moi, je ne vais pas vraiment de différence. 1. 2. 3. J'ai pas de 4. Oh, come on. Oh, j'aurais dû continuer mes combos, tant pis. Nah, parce que là, je me soigne pas trop. Mais bon. C'est pas grave. J'ai du soin qui arrive. Passons. Donc oui, moi là, j'affronte Amy surtout par principe de pouvoir la liquider vite. Puis ensuite, je serai à Folon. Dès que vous avez réussi à battre Amy, si vos autres personnages sont en bon état... Normalement, il n'y a pas de grand risque. Mais ça part du principe que voilà, vous avez réussi à enclencher ça. Ah, si, 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 il a plein de soins à Kalas. Donc, ouais. Donc, j'utilise surtout Kalas et Gibari pour leur capacité à se défendre avec leurs armes, même si ça implique bien entendu une offensive un peu inférieure. Oh non, tape pas trop. On va utiliser l'alcool de riz. World Laser. Non, Chaos Flame. Ça peut brûler. C'est pour ça que j'ai quelques objets me permettant de résister au de pouvoir soigner la brûlure, comme les fraises et compagnie. Mais j'espère ne pas en avoir plus besoin que ça. 7 7 6 6. Et on va se contenter de ça, parce que j'ai vraiment besoin des combos pour garder une main correcte. Purée, je lui fais 0 dégâts malheureusement. Elle commence à s'affaiblir, comme vous pouvez le constater. Tant pis, on va balancer les armes. J'ai vraiment besoin que... Pas trop, cependant. Mais vous voyez, elle frappe beaucoup de fois, cette vile créature d'ennemi. Et comme elle est faible en vie, je suis pas trop inquiet. Juste, faudrait qu'il commence à soigner des gens. Parce que là, les miens, bon, ça, 158, elle fait pas très très mal, mais... parfait, Kalas, tu vas te soigner tout de suite avec du riz et ça, je pense pas avoir besoin de plus. Ça fait genre du 1200 PV, donc ça c'est suffisant pour, voilà, 1300. Donc là, il est revenu complètement pleine puissance. 5, 4, 5, bah tant pis, 5. Pas de bonus, mais ça fera plus bien. Donc ils sont tous les trois faibles à la lumière mais résistants aux ténèbres. Pourquoi je déconseille d'avoir le moindre élément en ténèbres dans votre groupe. Ah, elle est tombée. Voilà. Donc déjà, ça va un peu mieux. On va dégager le percut du dragon.
Globalement, normalement, Amy et Giacomo frappent pas si fort que ça, du moins, enfin, Giacomo, tant que vous avez pas, bêtement, je suppose, commencé à lui taper dessus trop tôt. Parce que quand vous l'avez vraiment tapé, là, il sort ses finishers, il rajoute un ou deux coups à ses attaques et c'est lourd. Toi, je vais te garder pour Mister. Follow. Mais ouais, levez pas. En plus, un autre avantage. Non, non, tant pis. Un autre avantage de garder Giacomo le long du combat, c'est que comme il frappe deux fois, il va vous permettre de liquider vos cartes d'armure qui, normalement, sont plus nombreuses que la normale, puisque vous voulez éviter de prendre trop cher. Pas de finisher cette fois pour Folon, qui est celui que je vais viser. 12 de dégâts. Ok, c'est bon. Quoique, Guibari, je pense que tu vas te soigner un petit coup. Même si là, c'est plus ou moins gagné. Honnêtement, en général, si je parviens à faire tomber, bon, tant pis, c'est vrai que je vais laisser une ou deux armes de feu par par mes gardes. Je suis pas allé retirer non plus l'intégralité de ces trucs. Donc là, on va... Oh, t'en as des chiens, je prends. J'aurais préféré un truc d'eau ou quelque chose comme ça, mais bon, on peut pas toujours demander de mieux. Donc déjà, il vient de perdre une belle portion de sa vie. 8, 7, pas 6, bien entendu. Tant pis. On va se contenter de faire ça et garder quelques armes pour plus tard. Dégage de vinaigre. Ah, c'est pas vrai, voilà, un peu de def. Mais on va se débarrasser de ça, tant pis. Ce combat serait beaucoup plus simple si on avait accès à des classes 5, bien entendu, puisque on aurait plus d'options, plus d'actions, etc. Mais bon. 1, 2. On va dégager le moustique. Là, je me débarrasse plus des trucs faibles qui traînent dans mon inventaire plutôt que d'essayer de ça, par exemple. On dégage immédiatement. Pagaie explosive, ça va être plus très très utile contre E2. L'une des raisons pour lesquelles je suis pas totalement fan de Savinas, parce que comme elle est haut et feu, vous allez essayer de l'orienter haut, mais elle sera pas très efficace contre Amy. A nouveau, Amy est peut-être la moins dangereuse du tas, mais je considère pas qu'il faut la considérer pour autant comme une larve inutile. Oh, tant pis, les... J'avais pas fait gaffe à sa pioche. Ouch. 400, ça va. Enfin, ça fait une belle portion de ses PV et il commence à tomber faible en vie, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. 1. 4. Non, et puis 3. 2. J'aurais dû passer le finisher, je n'ai pas fait gaffe, j'étais déjà à 5. Est-ce que Kalas, t'as du soin? T'as du soin? Parfait. On va utiliser les trois en fait, puisque comme vous pouvez le constater, il reste plus qu'une carte dans la pioche de Kalas, et donc il pourra se défendre avec le reste et mélanger sa pioche. Mais je préfère avoir Lyud qui remonte complètement. Tac, tac. De toute façon, on va tous se retrouver à mélanger, puisque je pense que eux aussi doivent finir par se retrouver à court. Voilà, on va juste en garder un petit peu pour les deux prochaines attaques qui vont suivre. Mais globalement, on est en plutôt bon état. Là, tous les persos sont plus ou moins à pleine puissance et plein de vie. Mmh. 7, 6. Et 5. Je vais pas utiliser plus que ça. Voilà, parce qu'à nouveau, il frappe pas si fort que ça. Et... Hop. 2. 3, 4. Voilà, merci d'avoir attaqué Kalas, que ça m'ennuie un peu qu'il se retrouve avec une pioche quasi vide. Non, tu attaques lui. Ouais, fait, méfiez-vous parce qu'ils ont tendance à rediriger un petit peu. Ouh, merci l'appareil photo. Ils ont tendance à viser par défaut Giacomo après à chaque fois. Donc, une fois qu'Amy est tombé KO, vous risquez de vous retrouver à taper ce bon vieux Giacomo si jamais vous n'avez pas revisé quelqu'un. Ah non, on peut aussi taper Folon, hein. Moi je m'en fiche. Pour moi, Amy a juste l'avantage d'être facile à tomber. Hein.
Ouais, vas-y, tape avec ça. On a du vinaigre, l'alcool de rhum, on va le garder. J'ai mis peut-être un peu trop de défense. À nouveau, je la dégagerai quand je pourrai, mais... Vous prenez tellement 4 attaques par tour et... ennemi a tendance à vous vider votre pioche si vous avez trop bêtement la tendance à essayer de vous défendre contre chaque coup. Oh, ça c'est moche. Yay! Bon, je m'en fiche, il peut encaisser les 3 attaques, je pense, et j'espère qu'il va mélanger sa pioche avant. Oh, quoi que, est-ce que Foulon agit? Très bien, comment? Je peux pas noter particulièrement. De toute façon, déjà, si Giacomo réattaque Guibari, c'est moche. Non, c'est bon, merci. Oh, merci, parce que là, lui, il avait vraiment trop de cartes en main. Donc, j'avais mis un peu les alcools de riz, etc., en 4 KO, parce que, enfin, surtout à Lude pour les alcools de riz. Parce que c'est celui qui était le plus facile à mettre KO de l'équipe. Pendant que les deux plus solides avaient eu justement les le vin sacré. Tac, 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 tac. Résistance à la flamme, donc si c'est Chaos Flame, j'ai une chance de pas être brûlé. Impec. Les armures d'eau sont tellement bien dans ce combat. Donc j'ai déjà pris la photo, je crois, mais je peux recommencer. 1. 2. C'est moi dîner, j'ai plus de 3. Si, j'en ai un là-bas. 3. Bah, j'ai plus de 4. J'ai vraiment mal géré mon coup. Ah, tant pis, on va se débarrasser de... du truc de feu. Il résiste bien, c'est celui qui résiste le plus au feu de mémoire, mais... C'est pas très important. Ah, 500 de dégâts, il commence à se vaciller, comme vous pouvez le constater. Donc, il est au mieux mid-life. 1, 2, 3. Et ça va être tout, parce que j'ai littéralement quasiment plus rien que... Ah, sérieux, les KO? Bon. Et il ne reste plus que Giacomo. On va se débarrasser des armes de feu, en toute honnêteté. Donc, ouais, le combat est gagné. Et pourtant, vous voyez, normalement, le niveau recommandé pour ce combat est quelque chose comme 28. Je suis niveau 25, donc c'est même pas comme si j'étais particulièrement overlevel, même si je pense que c'est faisable au niveau 20. C'est juste lourd. Et pas très drôle. Et lourd. Et pas très drôle. Mais ouais, non, je pense pas... C'est surtout un combat difficile par le fait que c'est l'une des rares fois où vous avez un multi-boss... Et disons que c'est vrai que vous n'êtes pas sûr de quel cible frapper en premier. Parfois, vous avez tendance à vous dire on attaque d'abord le plus costaud du tas, à savoir Giacomo. Avant de vous apercevoir que c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais c'est un peu trop tard pour changer. Ok, c'était complètement pourri, mais à côté, j'ai 3 finishers en main. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 finishers? C'est vrai que normalement, il vaut mieux virer les plus faibles en fin de. Mais j'avais laissé celui d'eau à Guibari pour des raisons logiques. Mais de manière générale, si vos finishers sont... Non, j'ai pas de... De toute façon, bon, je vais pas hésiter à laisser durer un petit peu le combat pour retrouver mes caméras. Guibari, tu prends un peu cher, tu vas prendre ces trucs-là. Ouais, je claque l'alcool de riz. J'ai besoin de l'espace et c'est pas comme si... Pardon, c'est pas comme si j'avais de très très bons ou parfaits, j'ai pas envie de barrer, c'est ça. Je disposais de très bons objets de soins sur Lude. Tac. Ouais, dégage ça, je m'en fiche. Voilà, lui il en est pas encore à utiliser ses finishers, donc ça c'est bien, parce que bah, moins il me tape fort, mieux je me porte. Kalas, non, Lude. Non. On va dire j'ai le vinaigre, je suppose. Ça, je l'aime bien. Ça, je veux le garder. 1, 2, 3, 4. Ah, si je peux avoir un 5, ça serait pas mal, mais bon. Qui tape? Euh, 8, 7. Bien sûr, j'ai pas de 5. De 6, je veux dire. Ah, maintenant, j'ai le 6. Prends-toi une attaque de temps. Vaut mieux que je le débarrasse de ses finishers. Et donnez-moi un appareil photo.
Il a 3800 PV, mais c'est pas non plus comme si ça allait durer ad vitam aeternam. Bam! D'autant plus que je m'inquiète un petit peu du nombre d'armures que j'ai dans mon inventaire maintenant. Ouais, on va soigner. On va garder le vin sacré, c'est trop important pour que je l'utilise juste comme ça. Si j'ai un personnage KO, on sait jamais, hein, ça peut arriver. C'est mieux de prévoir les choses. Il y a les lunettes. Hop. Sinon, un appareil photo. Ils ont tous les trois un appareil photo, mais jusqu'ici, j'en ai vu aucun depuis qu'ils ont remélangé. Est-ce que c'est nécessaire qu'ils aient tous les trois l'appareil photo au fin, dans fond de leur pioche? Bid! Oh, F you. On va dégager l'ouverture. Ouh, ça c'est bien. On va dégager ça. On va prendre le casque du chagrin. En chagrin. Attendez une minute. Ah, je me suis débarrassé de mon 1. Alors ça fait quoi? 2, 3. Pas eu le temps de voir où est-ce que j'avais un second 3. Deux. Trois. J'ai pas de second 3. J'ai pas de 4. Mais si, j'avais un 4 là. Non. Tant pis. J'ai fait n'importe quoi. J'ai paniqué. C'est pas grave. Prends-toi un bon sapot. Un petit appareil photo aussi. Je sais que j'arrive pas de le réclamer. C'est un simple dégât quand même. 3. Oh, ça va faire plaisir. Et on va se contenter de ça, parce que à nouveau, ses PV commence à baisser pas mal. 2, 3, 5. Mais c'est pas vrai, où sont ces maudits appareils photo? À nouveau, je m'inquiète pas trop, parce que je pense que il est probable que la première photo prise contre lui, vous savez, au tout début du jeu, soit suffisante, mais 1, 2... 4. Il reste 3 cartes à Lude. Je crois pas qu'il ait remélangé depuis la précédente photo. Donc je suis quasiment certain que son appareil photo se trouve dans ses dernières questions. Pourquoi? Bref, là je vais surtout attendre parce que j'ai pas envie de risquer d'achever Giacomo. Normalement, à nouveau, c'est pas nécessaire, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Ah non, mince. Bon bah alors non, j'ai fail. Oh, il est fatigué. Il est fatigué, c'est mauvais signe. Je veux prendre juste une photo. Et pourquoi t'attaques Lude? Ah, j'ai pu prendre une photo des os. Et pourquoi tu peux pas... T'étais timide? T'es super populaire. T'as vu tes tablettes de chocolat? En plus, c'est dur de les rater. C'est limite. Il y a limite un panneau écrit "Regardez-les" marqué sur sa tenue. Par contre, ça doit pas bien protéger. Hein. S'il se prend un coup là, ça doit faire mal. Bien. Surtout avec une épée. Heureusement qu'il peut pas résister ses potes d'ailleurs. Ah, bien, bien. J'aurais pas dû prendre celle de temps, c'est pas grave. D'ailleurs, oui, vous auriez pu constater qu'il sort les finishers. Mais moi, j'arrive pas à trouver mon appareil photo. C'est à nouveau surtout pour pas prendre de risques. Parce que j'ai pas envie de refaire tout le combat si je m'aperçois que sa photo était unique et qu'il fallait la prendre quand même. Et il a sorti Force Impériale. Je crois pas qu'il ait d'autres finishers que ça. On va dégager le vinaigre. Je suppose qu'on peut soigner. Bon, vas-y, claque tout. Je veux cet appareil photo. Je veux cet appareil photo. Je veux cet appareil photo et je le trouve toujours pas. Est-ce que j'ai utilisé les trois fois? Les trois sur... Bah non, parce que j'ai pris que deux photos de Folon. De toute façon, on va très vite le voir. 4. 3. 2.
Ok, donc il lui reste plus qu'une carte. J'aurais bien aimé voir, même si ça faisait remélanger la pioche. Mais et oh la vache, ta vidéo a duré déjà beaucoup trop de temps. Et je fais durer le combat parce que j'ai besoin de prendre sa faute de temps. Hey, il attaque. Oh non, pourquoi je fais ça? Réflexe stupide. Faut que je dégage ce machin. Oh non, je me empoisonne juste et je m'inflige des dégâts, c'est tout. Pas grave. De toute façon, le combat il est gagné. Je crois que j'ai un truc pour soigner le poison quelque part. Jusque là, ça va faire très très mal parce que bah, il a attaqué celui qui n'avait plus rien pour se défendre. Imperial Force 500, ouais, ça va quand même. Donc là, le Yud probablement va mélanger. Mélange de la pioche. Enfin! Juste pas que je... Voilà, je vais arrêter de me défendre. J'ai enfin l'appareil photo. Giacomo, c'est presque fini. Vous aussi, pour vous, c'est bientôt fini. Mais ce combat, de toute façon, dure en général assez longtemps. Même sans les quelques tours où j'ai juste attendu qu'une saleté d'appareil photo se ramène. Tape quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, j'avais utilisé tous leurs appareils photo, apparemment. Ok, bon, bah... Ça résout ce mystère. Bon. Force impériale. Et ouais, j'y résiste. 111. Ah, ah, Giacomo, tu es nul. Donc là, il y en a deux qui vont mélanger de toute façon. Oh la vache, lui, t'es... Ah non, il avait déjà mélangé, tant pis. Lyut peut mourir. Ce qui m'ennuierait, mais... 2, 3, 4. Et c'est tout. Je pense que je pourrais essayer d'achever Giacomo. Mais malheureusement, non. Bah là maintenant, si je peux. Oh! Ah, est-ce que vous fichez de moi? Bien sûr, en mélangeant sa pioche, Kalas se retrouve avec toutes ses armures au début. Oh, waouh! T'es lent, Giacomo! Ça devrait peut-être l'achever. Yep! Désolé les gens, c'était pathétique. You lose, Giacomo. No, this can't be. I never lose. Is it the spirit within him, or is it because we did it? We did it. Look. Gramps and V can finally rest in peace. His power. It's the fruit of Georg's research. I was supposed to inherit that power. Huh? My grandfather's research? Yes. Georg's research. Tapped into power from the Divine Child. Power? From the Divine Child? You were supposed to inherit it? Why you? Because Georg, whom you call grandfather, is my father. Huh? What? That can't be right! You liar! You're going down with the ship, boy. My father designed this.